faire l'amour pendant que France est enceinte. Et ça, okay. Là, le problème dans le Dongala. Ils ont interdit, il y a que ça, le rapport sexuel n'est pas délié. Ok, au début. Ils ont interdit. Ouais. Moi, je suis pas cancéré, je suis na césarienne, je suis en Je suis en Bouti. Je suis en Bouti. Je suis en Bouti. Je suis Pour respecter le couple, il fallait assister. Et assister, et puis na salle toucher vaginal bien. Wow. Et ah ben notez est-ce que l'on a moins signé ceux qui ah un sentiment ah ben non sur les signes que les touristes on a moins ça rosa t'as quelqu'un à toucher car on a rare crique la mouquet babomingue moi ben papa n'a pas baillé baki t'as tout ça là toucher wana ils ont des informations tout zoaka une fois dans ça là toucher wana directement toucher wana il là qui s'en a il colle est-ce que colle il y a moins ces affaires ils a fermé donc normalement pas moi ça c'est mes fils à la ferme ils a pu fermer et toucher tout ça là n'a idée ma bite. Et comme il est tellement mingi, moi ce soir, bon, il faut que je toujours sang ou la césarienne. C'est quoi? Il y a beaucoup de cas de césarienne. Mm. Il y a certains médecins, surtout des chirurgiens, obstétriciens, qui ont la césarienne avec mauvaise volonté. Docteur Bayimba, oui. Femme ou a subi césarienne, elle peut attendre combien d'années pour la ressource de vie. De ce mois-ci, au petit bout, il triste d'être au Simba qui est en haut déjà. Donc, il faut que coulant de la cicatrisation, la situation est vendue pendant normal. Ça peut prendre juste 6 mois. Mais moi, je conseille. Au-delà de ça, ça va aussi. Une année et demie. Une femme ne peut jamais mourir en voulant donner la vie. Donc, ça n'a pas que ce qui moins c'est qu'il faut accoufater. Donc, il y a une probabilité. C'est une maladie. Vous êtes en Europe, Asie, Océanie ou en Amérique. Voilà, aujourd'hui, c'est très facile d'envoyer de l'argent en Afrique. Tap, tap, send. Tap, tap, send, les moyens les plus faciles pour faire vos transferts en Afrique. Et surtout, en République démocratique du Congo et la République du Congo. Vous avez déjà RCP là. C'est-à-dire, vous avez la maman, papa, mbongo, cousin ou neveu. C'est plus facile aujourd'hui. Tap, tap, send. Télécharge l'application et envoie ton argent sans inquiétude. C'est très rapide et fiable. Ce qui est au Mbongo, on a Kinshasa, tu rejoins un Orange Money, na M-Pesa, tu as RTL Money. Ce qui est numéro à Brazzaville, tu rejoins un MTN, tu as RTL Money. Utilisez le code promo Mumbaya et vous aurez droit à 5 euros de bonus. Donc ce qui est Mbongo, frais de transfert, les ATO. Bienvenue sur Afro Combat TV, la maison de l'excellence. Bienvenue chez vous, chez nous tous d'ailleurs. Prenez place, pour vous abonner, abonnez-vous massivement parce que Marambo Sika, une nouvelle rubrique sur Afro Combat TV, la maison de l'excellence. Rubrique chez le médecin. Chez le médecin, rubrique Sika, comme je le dis toujours. On va commencer à recevoir des médecins, des personnes qui sont capables de nous parler du corps humain. Ba maladie to za lango to e baté na banda ndenge nini na consulter ndenge nini orientation to ko makoya ba bato ba ko makoya orienter biso par rapport ba soso to za na nzoto par rapport ba soso to za na ba santé na biso et comme rubrique asika donc to me faire déjà na AMTV donc so moni penza que la bande rubrique chez le médecin va bloc notes va stylo parce que matière va kala musique té té pe na ba santé va aujourd'hui on va développer sur le sujet de la maternité. D'où le début à conception à Zemi, qui nous montre qu'il y a un robot. Nous, les gars, nous avons un nion, nous avons tellement pressé à retourner mission émission parce que tant que femme, tous les gars, la période où on a toujours. Donc aujourd'hui, nous avons un Zemi, nous avons projeté un Zemi, nous avons en place parce que nous avons un Belandé Bino. Voilà, c'est la réalisation avec moi. Glody, mais ça derrière la caméra peut déjà me dire bonsoir, monsieur Ndongala Squali. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Baye. Bonsoir, madame Adassa. Bonne santé. Santé très bien. Docteur Ndongala, santé bonne. Ouais, très bien, par la grâce de Dieu, et vous aussi.
Abile, docteur, pour le bas, grâce de Dieu. Ouais, c'est Dieu qui garde, qui donne la force et tout. Ce que je veux bien opposer à côté, je suis homme de Dieu, je suis docteur. Donc, double ponction, Van Janep, Sabine Nirava, GT. À la fin, ils vont donner leur numéro. Si vous avez besoin d'orientation, conseil, côté santé, bazana pour la bisogne. On va parler de la maternité aujourd'hui. C'est ça. Surtout, dépendance de mes bandes. Et on a eu bien entendu la zémi. On a eu un peu de temps, on a eu la zémi. Et je voulais dire que je suis un peu docteur Bayi, docteur Bayimba, docteur Bayi. Quand je parle de docteur Bayi, je fais comme ça. Tonton Sam, Mister O, Monsieur Sam Okito, je fais un peu de mon tonton, et puis le greffier, le frère de la République, Mister Bika, Beka, tonton Patrick, tout le monde est docteur Bayi. Ouais, je suis là, Madame Adassa. Ensemble, la maternité. Des conceptions à Zemi. Ok, on doit d'abord commencer premièrement en parlant de la grossesse normale. C'est quoi d'abord la grossesse? Expliquer la grossesse et Zanini. Comment est-ce qu'une femme peut aider une mois sur Wokouan et Nazim? Je serai un peu bilingue pour ne pas déranger certaines personnes. Oui, quand on parle d'abord de la grossesse, on doit savoir qu'on a trois éléments clés qu'on ne peut pas. On a trois éléments clés où tu peux vous engager. Ok, trois éléments. Trois éléments clés. Le premier élément, on doit parler de l'ovulation chez la femme. Le deuxième élément, on doit parler de l'ovule aussi chez la femme. Okay. Et le troisième élément, on doit parler des spermatozoïdes chez l'homme. Okay. Oui. Quand est-ce que c'est les trois éléments qui sont clés pour la fécondation. Oui. Et une fois que l'homme donne la semence, qui est les spermatozoïdes, et la femme doit libérer l'ovule, donc c'est pendant l'ovulation. Et souvent, il y a beaucoup de femmes, c'est vraiment un problème, ils ne savent même pas calculer leur période, leur date de règles, ils ne savent pas. Et c'est vraiment une chose qu'on doit vraiment apprendre à beaucoup de femmes, de savoir comment les faire. Et vous devez d'abord mettre en tête, il y a des éléments clés, vous devez savoir que moi, si on sort, date de l'ovulation, c'est 14 jours avant le cycle né où ils ont Kulanda. Donc, quand on parle de l'ovulation, ils ont tant oyo, moi, na moi, c'est à Libéraka, au ville. Ouais, au ville où ils ont quoi, c'est immense, na yo, moi, si. Et l'homme, maintenant, donne à Libéraka, c'est spermatozoïde, il écoute au niveau de la trompe. Okay. Une fois qu'il écoute, il y a un autre bien, il y a la fécondation. Donc, il y a comme œuf. Et. Pendant que F1 écoute le niveau un tiers, il y a Trump. J'espère que les gens, on ne sera pas, j'espère que ça va expliquer jusqu'au détail. Ok, on commence vraiment au niveau du vagin. Après les vagins, on a l'école utérin. Après l'école, on a ce que vous appelez matrice. Nous, on appelle ça l'utérus. Après l'école, on a l'utérus. Utérus, après, on a des trompes. Au niveau des trompes, après les trompes, on a des ovaires. Et les ovaires, là, au fond, ce sont les ovaires qui libèrent les ovules. Okay. Une fois que les ovaires sont libérés aux ovules, moi, mon bali, à PC, spermatozoïdes, et qu'on traverse, c'est traverser ce qui est tombé, que moi, c'est la période, il y a bien période d'ovulation. Donc, et qu'on traverse, continuer à l'école jusqu'à ce qu'il y ait tiens que beaucoup t'en a au ville tant beaucoup t'en a au ville et que l'on y voit au ville on a sur les cas la première trimestre la première période de la grossesse tant beaucoup t'en a au début de la grossesse tant beaucoup t'en a et qu'au zou ni F1 et qu'au zala et au sala au zou bien à la nidation et que l'on y voit à tromper ti au niveau y a utérus ou bien la matrice et qu'au play et qu'au van à wana et au sala implantation. Et pendant l'implantation, on a des processus et bandits. Et bandits jusqu'à ce que la partie neurale, le bandit au salama, le système se forme jusqu'à ce que tout le monde a une grossesse. Ouais. Voilà, docteur Ndongala Nazungi Panayo. Et le papa, tu as posé une question. Ah ouais, il a vraiment synthétisé. Hein? Okay. Il a synthétisé. Je crois que c'est. Voilà, c'est dès que moi ça apprendre que Okiba malaise, elle a regretté et tout, moi ça se rendre compte qu'à Zanazim, qu'est-ce que la femme doit faire premièrement? Premièrement, j'aimerais vraiment être très, très bref sur ceux qui nous écoutent et nous suivent en ce moment. La première des choses, moi s'il faut à ça là, il faut d'abord à Kenina hôpital. Ok, dès le début. Dès le début, ça a remarqué que. Parce que l'un des signes, oui, là, c'est vrai que moi si. À Zuzemi, premièrement, ils ont la cas arrêt, il y a la règle, ou la bingue, aménorée en médecine. Ce qui, moi, c'est remarqué, ils ont plus de deux semaines. Ce qui a montré que déjà, début mois, ils ont dit, 14e jour, ils ont réglé. Ce qui a été en hôpital, ils ont fait des tests, peut-être il y a grossesse, ou bien test, ils ont fait des tests, ils ont fait des urines, ils ont fait des tests, ils ont fait des maquillages. Ce qui a prouvé qu'à Zuzemi, la bosseuse à cause de ça,
ils aient à coquin d'hôpital. Coquin d'hôpital. Pourquoi hôpital? Parce que tant aux coquin d'hôpital, wana, il y aura un médecin. Médecin encore oyo. À Colandelayo, bien accueilli plus un médecin obstétricien. Ok. À Banda Colandelayo, et puis médecin wana a coupé sa sikoyo na moi si wana, bah maillé les pieds ma canici, n'engeni ni y a coquille qu'on s'est comporté tout au long y a zemina yo wana oyo azui. Docteur Bayimba. Oui. Mais soubasi bon, je dois mais faut la faire n'importe en cas de généralisation. Moi, c'est sur mon carré, tu te connais un système de gestion de l'hôpital, c'est la pharmacie. Il y a un mot d'homme, tu es mais non, le docteur, il y a un peu d'hôpital. Et là, il y a un peu d'Afrique. Oui. Ben, c'est ça. Ben, tu as un test, oui, il y a un résultat. Mais tu as un test, tu as un examen, tu as un examen à certitude. Examen à certitude, tu auras un kila dans l'hôpital. Ok. Il y a une probabilité, oui, aujourd'hui, ma soubanaïo, à partir de test. Wana oui aux yeux tali au monde et sali débat mais la confirmation c'est à l'hôpital quand il va à l'hôpital il faut confirmer en demandant les sang et na sang wana to doser si ko to ya ACG bêta ACG za hormone ou ils alaka uniquement libéré ce qui moi ça za na zimi. Donc hormone ce moi ça za na zimi té ya wana ils alaka ces tests wana ce bomi ya cas de tests bo sumba ya masuba une fois mais qui ce qui hormone wana ils ana nzoto té cela veut dire que la femme n'est pas enceinte. Qui est une fois que ça lui débat, cela veut dire qu'il retrouve hormone ou un ratanzo tout n'a eu. Donc c'est que tu vois automatiquement, c'est que tu es enceinte. Et on teste aussi un gros bossal à l'hôpital, c'est que vous avez les mêmes tests, mais avec beaucoup plus de certitude à l'hôpital. Mais ça arrive aussi que ça a dit, mon seul test est bien en négatif. Oui, ça arrive, oui, ça arrive, mais il y a un délai. Okay. Lorsque moi, c'est à Zuzé, mais supposons qu'il y a coûté un homme ou un lilo. Et qui est bout à côté parce fécondité que oui à côté ni fécondation et salami parce que au vu les alakana délai à 12 à 24 heures ils ont la probabilité en vie. Ok mais si permettez de mon bali et ça là 5 jours mais 5 jours on a ils ont sous-foot expliqué sous-foot il y a même une émission j'ai à parler sur comment choisir les sexes des bébés que tu veux concevoir. Sérieux? Oui, j'ai à parler de ça. comment choisir les sexes des bébés que tu veux concevoir c'est et c'est par là qu'on essaie d'expliquer. Oui, c'est possible. Wow. La médecine nous a facilité les choses. Wow. Oui, donc la probabilité aussi est un peu élevée, il est vraiment très élevé pour ça. Okay. Donc c'est par là qu'on explique maintenant, si le spermatozoïde dit ça à 5 jours, si le spermatozoïde dit ça à 3 jours. Donc nous, c'est dans 4 heures, mais en globe, on dit que le spermatozoïde dit ça à 5 jours. Mais dans 4 heures, le spermatozoïde, il y a un gamète, le spermatozoïde, il y a un mibali, ou il y a un basi. Il y a un basi de ça qui est dans 5 jours, mais mibali, il y a un souk à 3 jours. Mais en gros, il y a ça à 5 jours. Oui, là, on a zone ici na mutuna ou tunaki. Où j'étais en train de parler sur. Si je, j'ai plus peur. Ok, les hormones. Donc, mon bali a coûté un mois sinéé l'élo. Donc, sauf que mon sinéé l'élo et que fécondation on a isalami. Et à dire que mon bali, moi, ça suit au moins test à mes qui boit l'obi mon bout. À mon test est bien mon positif. C'est impossible. Donc, cela veut dire que ça doit prendre du temps. Mon temps, oh, non, c'est ça. Plus fécondation et salami et le ngwana tiya au niveau de l'utérus et à cause implanté au niveau du fond de l'utérus ni ça pourrait ça l'implantation na ni ça wana ça prend du temps donc c'est le temps na yo ce qui temps wana na nous écoki samité ce qui temps wana na nous écoki samité donc cela veut dire que ce au meki avant temps wana au moins le test est négatif donc au plus c'est au plus 2 semaines 2 semaines après fécondation c'est par là ce que meki testé ndebima positif. Voilà, il faut pas s'apprécier. Tu ma craque, au moins, on doit être dans tel arabe, tel peu négatif. Il y a un petit crème dans la catégorie. Docteur Ndongala, depuis un mois, tout le temps, notre trimestre à Liboso, ils ont un premier mois, un troisième mois. Qu'est-ce que la femme est censée faire? D'abord, moi aussi à Zalaka, donc tu as un cahier général, ça veut dire un commis très exceptionnel. Premièrement, okay. A comme la très surveillée, la très gardée et la très protégée, même je m'irais un peu faire toutes ces exceptions en fait. La première des choses, moi si il faut au lobby, au dingo, bah moi si. Pendant le premier mois, tu le troisième mois, qu'est-ce que la femme est censée faire? D'abord, moi si il faut aller dans ma théa, naïe malam, né à l'obac ou qu'on est dans l'hôpital. Ils ont des moko qui sont à l'hôpital, ils ont une consultation prénatale. Ils allaient, à un moment où ils ont été en train de se faire, ils ont été plus près côté de la sage-femme ou bien infirmier ou ils ont à disposition. Moi, il faut éviter que ça
programme encore alimentaire mauvais. Okay. Moi, s'il faut à éviter qu'on allait exposer plus na ba biloko moko ne faste donc biloko moko oyo koki ko déranger moi na naye moi si biloko pardon na kapi biloko ni ti biloko biloko oyo koki ko déranger moi na naye pendant que moi va tout na biloko ni biloko oyo koki ko déranger moi na naye eza peut-être biloko oyo alimentaire ça veut dire biloko ya kolia alimentation naye alimentation naye biloko ya kolia il faut eza la très surveiller a koki kolia biloko ya dendote plutôt ah. Ba dendo wana te pour ça c'est biloko ezali exposé te c'est 50% na... dendo biloko c'est bon en fait na lobby dendo en général mais kolia biloko eza protégé te hein mm-hmm. Donc ezali exposé d'ailleurs poussière et tout de peur que moi na azala infecté moi si a koki ko melaki si n'importe comment te il faut surtout côté à qui soit on appelle photo martelé en deux premiers trimestres. La première trimestre il y a des médicaments au moins si à coquille comme mélaté donc on a deux premiers premier trimestre il y a zémi à moi si il faut azala vraiment na comportement mon corps oyo ils allaient très surveiller même pas ce casan à partenaire ou bien ce casan à mutement casan à ndaku ceux qui bon ce casan à partenaire ndaku j'allais préciser parce que il y a d'autres conseils oui ceux qui basan est placement corps responsable ou un effort à l'andela et bien donc moi si à coquille qu'on met la n'importe quoi t'es dans le premier trimestre okay. Moi si à coquille qu'on l'a tapé n'importe comment t'es moi si à coquille oui parce que tu as vu que dans les il y a de nervosité et ça a élevé taux de nervosité ça a élevé encore ma rava kanda kanda donc moi s'il faut social naïe société na, en ce moment là entourage. Entourage bien environnement naïe wana il faut être à l'aise. Donc, le premier trimestre, c'est allé au Tobin avec un trimestre en or. Yes. C'est vraiment un trimestre en or. Et moi, s'il faut, à ça, la bulle, qu'on a non surtout, je crois qu'on a pendant l'émission, de coquille qu'on. Voilà, docteur Bahimba, premier trimestre, moi, si à Zemi, aux Zemi, moi, non, non, mais ça va être, mais moi, Ebi, qui est la minute, on a beaucoup la moutouna kate. Quels sont les médicaments qu'elle doit éviter? Premièrement, vous devez faire l'effort que vous évitez, anti-inflammatoire non stéroïdienne. Donc, qui signe il faut que nous parce que on a tous un panoplie belé à bas médicaments. Ils aient belé. Donc, moi si bon à bas si moi si nous il faut atteindre un mutu. Il faut atteindre un mutu. Il faut aller baquer. À quoi qu'on mette n'importe quel médicament pendant qu'elle est enceinte. Okay. Parce que médicaments nous savons où il faut d'abord où tu na gynécologue na yo, où tu na obstétricien na yo, où tu na médecin na yo, où azolandi la yo. Ce que tout nié c'est par là il y a eu que il y a eu une grossesse na yo ça na monde ni tuana. Tu peux pas prendre tel médicament. Comme exemple un médicament tant que bah anti-inflammatoire non stéroïde ou bas mais ming ibicap. Oui, il y a qui tout passe, oui, il y a pour n'améliorer. Mais chez la femme enceinte, ce n'est pas autorisé. Okay. Ce n'est pas autorisé au début. Même ceux qui ont des médicaments, ils ont des prostaglandines. Ce sont des médicaments. Oh, yo. Thermone. Oui, il y a certains médicaments. Attends, on va voir thermone et bimara. Oui. Donc, ce sont des médicaments où il y a la prostaglandine. Il y a une substance où il entraîne la contraction chez la femme. Pendant que moi, ça a été mis, il y a un élément qui a la contraction au niveau de l'utérus, il y a un bimisseur et faire avorter moi aussi. Au début, on interdit tous ces médicaments. Au-delà des médicaments, on interdit aussi certains médicaments dans le sens que il y a une compliquée formation à moi. Parce que au début on suppose que moi naza ko salama pendant que moi naza ko salama ana possible biluba kiss moko te ko compliqué rien ko bibi ko créer ba malformation pendant temps wana et à un moment bouti moi na lisu moko j'espère c'est d'abord identité c'est d'abord moi na bouta bibi na lisu moko et non maman mo lilité mais peut-être bimela oui c'est ça bimela surtout il y a certaines mamans où peut-être je vais parler aussi de l'alcool surtout de l'alcool voilà, c'est aussi parmi mes questions on a débit à zemi ou on a tiens en général pendant zemi est-ce que l'alcool il a un effet moral à moi donc là la femme doit retenir que l'alcool il a contre-indiqué chez la femme dessinera moi si zemi babari donc c'est vraiment contre-indiqué pourquoi. Parce que tu vas entre maman et moi, si tu as une barrière, on appelle barrière placentaire. Donc cela veut dire que c'est pas n'importe quel médicament, c'est pas n'importe quel nutriment où il est caca. Nakati si wana ya certains médicaments où il est caca entre maman, il change entre maman et moi parce que moi na azo dépend de cana ou maman zana moi. Azo offrir. Azo maman azo offrir. Ce que maman pèse l'eau côté azo l'eau côté. Donc cela veut dire oh notre maman azo zoa moi na automatiquement il faut bénéficier na moi. Mais il y a certaines choses où ceux qui maman Amélie
mais moi na ako traverser barrière wana te moi naza protégé, mais il y a certains aliments peut-être comme boisson exemple l'alcool, quand on parle de l'alcool ils ont oh non il y a quand tirbo ils ont vin ils ont je ne sais pas quoi ni on se na alcool ils ont effet du coup là moi parce que l'alcool est qu'on traverse barrière placentaire et les cas maman et qui t'y pas moins or tant alcool est qu'on pas moins et compliqué même développement et cerveau à moins au moins moi beau t'as mis le maillot les a la raté. Mais vous n'avez pas peut-être vous avez dit que maman a zalara mais l'arabe m'a sangaton a zan ou zanaïdé ou anaté peut-être moi aboutami mais va comporter mon émoi a zaka toujours aussi lika moi a zalara compliqué ni moi a zalara bababa titi de moi compliqué et ça peut m'entraîner même des complications même la malformation à moi pendant alcool on a ni ça ils a vraiment c'est vraiment tout un livre pour expliquer alcool et la grossesse donc c'est que les femmes doivent retenir alcool ils a contre-indiqué quand on parle de contre-indiqué donc maman a couru comme la alcool jamais pendant qu'on est enceinte, parce qu'ils ont moi est directement en danger. Quelque chose à ajouter, docteur Ndongala? Oui, oui, parlons de médicaments, vraiment. Mm-hmm. Plus, je crois que cette émission est collandama partout. Et le fait aux opportunités à côté de il faut tout sensibiliser. Donc, maman et Zemi, ils ont vraiment interdit, il y a qu'au Mélaki, c'est sans aval, il y a médecin. Okay. Peu importe, et le Koyokoyo Kapasi, eux, là en ce moment-là, Nzoto, quoi que ce soit. Avant de prendre un produit, un médicament, il faut toujours qu'il y ait une ordonnance certifiée, signée par ton médecin. Même Nabutu, ton amour, et qu'on batte là, moi, Nanayo. Voilà, l'alcool et l'enfant d'auteur, donc voilà. Si vous pouvez ajouter quelque chose. Parlons de l'alcool et partant de ce procédé qu'a dit mon ami et collègue, je suis très contre. Je suis très contre, surtout des mamans. Vous êtes contre ou bien la médecine? Non, je suis, moi, personnellement, en tant que médecin, je suis contre. Parce que je représente la médecine en ce moment-là. Je suis contre ces mamans ou toutes ces personnes qui prennent de l'alcool pendant la grossesse. De nos jours, on a à l'hôpital beaucoup d'enfants nés avec des malformations, beaucoup d'enfants avec des problèmes neurologiques, beaucoup d'enfants avec des encéphalopathies, beaucoup d'enfants avec des retards mentaux, beaucoup d'enfants avec des conditions intellectuelles basses, beaucoup d'enfants avec difficultés d'adaptation dans la société, beaucoup d'enfants avec des problèmes de moteur ou de problèmes de sensibilité, c'est à cause seulement du comportement de leur mère pendant la grossesse. Et qui prenaient l'alcool, je ne sais pas c'est quoi le goût d'alcool, je ne sais pas, il y a des bières là que vous connaissez, ou s'occuper de ma gaine, je ne sais pas quoi. Mais moi, il faut attends pour ces matis, pour le bien de ton bébé, pour le bien de ton enfant, c'est vraiment de conseiller de prendre l'alcool. Voilà, c'est juste 9 mois ou plus du mois et les canons, il en était au Congo pour s'abstenir de l'alcool. Pour n'a bien mon ami, Tarabuto, Bumbali, avec amour. Et qui m'en a honte. Une question tabou chez les uns, chez les autres aussi. Mais on a préféré tout na bango, vu que n'a bango, 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 du domaine. Faire l'amour pendant que je pense à enceinte. Et ça, c'est un problème dans un Dongala. Ah oui, parlons de rapport. Parce que votre dernier problème, c'est la première question. Ouais, ouais, vraiment. Question, on a fait de la répondre. C'est très sensible. Et puis, ils appellent pendant Zemi qui va poser ma taga, papa. Ah bon? On est déjà bon, même si je posé, mais t'as pas le bon. Ah, mais maman, ça a été pendant 3 mois. Donc, est-il que tout le cas, maman, oui, certainement, ils ont quand même très fréquent. Vraiment, c'est une question au yoko. Donc pendant rapport sexuel, ils ont interdit Kosa Lango. Pendant plutôt Zemi, ils ont interdit à Kosa la rapport sexuel et Bandelia Zemi. Ok, au début. Ils ont interdit. Monisoki, Dengue Zemi, ça l'a qu'à 9 mois, Wana. Toujours utiliser 9 mois pour Nabatba comprendre. 9 mois. Donc premier mois, deuxième mois, troisième mois, voire même quatrième. Quatrième, c'est interdit de faire les rapports sexuels. Pourquoi? Parce que na katia ba semence autres à la kanango saka et pas ya maman et toza na katia semence autres côté saka et pas ya maman toza na les mamans quoi ba bien à la prostaglandine et ça élément oyo et ça n'est fait et ça qu'en effet na niveau ya utérus et y a on a stimulé la utérus pour que col utérin et fonds maman na bima si quoi ce qui yo papa. Moi, si je suis arrivé à 3 mois ou 2 mois après au bandit Kosa Lango, tant que je suis en train de se faire, les prostaglandines qui ne sont plus au niveau de la matrice et de la maman, ils ont stimulé quand ils font amoureux. C'est que moi, je suis là avant l'avortement. Fausse couche. Et on a vraiment interdit à Kosa la rapport de son ébani. Mais
à partir déjà naba trois derniers mois na suka donc à partir à 6 mois 7 mois matata 7 mois 8 mois 9 mois wana de siko mettre comme même na ordonnance tu ça même na OK tu ça même na système to komaka c'est quelque chose surtout pour ma partenaire j'ai pas pour défoncer hein des partenaires couple. La couple, Oza, une alliance. Certifié. Oui, donc certifié avec un système d'auto. Oza, tu as bien en gros, dose. Tu peux ça matin, midi, soir. On a beaucoup de ça là. Rapport sexuel, on a bien. On a beaucoup de choses. Tant qu'on a pesé, surtout dans 9 mois, prostaglandine, on a des aranakas, des spermatozoïdes. Ils ont des costumes. Il y a déjà. Ok. L'utérus, une matrice à maman, pour que déjà, dilatation et ça, les maras. Tant qu'on a coca. Bah, mon corps contracté, ça allait bien, moi, j'abîme. Donc, pour le rapport sexuel, c'est interdit le début. Ils ont interdit. Mais dans ce cas, bah, 8 mois, 9 mois, papa Fabé a ça la carte. Il y a le vélo, comment on dit, papa faut. À ça la carte. Que ça, le rapport sexuel, mine, que ça, le rapport sexuel, c'est vraiment interdit. Parce okay. que, comme il a parlé de prostaglandine, là, il y a entraîné à la contraction et directement, il faut plus lâcher. Et moi, c'est normal que ça avorte, mais que ça, là, facilement. Okay. Et pendant, après, on a juste, pendant le temps, soukawana, on a le but, peut-être, au sein, à la bosse, là, on mine. Mais ça prépare déjà. Autorisé. Oui, là, c'est vraiment autorisé. Parce que ça prépare déjà la maman, le fœtus, déjà, l'utérus, déjà, à libérer facilement. Vu que la contraction, on a un mine, les actions, moi, ça, c'est beau. Ta mingso ako ko pousa te to pesa ka bango to biso de benga nanini na médecine ba itérotonique pour ko aider et ko renforcer ou délai force na et comme ko sou ko pousa te to pesier siko ki sou ko entraîner et pousi ça en makasi qui est loko ezana ka ta ba itérotonique ya moyen pesa na ka ti ba prostaglandine ou ta nanzo to ba bango ba papa okay. Donc même ou nini substance wana ou entraîner ba contraction ba prostaglandine na ya pe ya ngombe musa no be ko entraîner ba contraction. Pas donc parce que c'est naturel. Ils sont naturels. Ah, ok. Et donc, okay. Comment on a baptisé que Nathan Wasuka, maman, elle a pour message à ma belle et cacapus, dans ma cambouana, c'est que ceux qui papa ont ça, ils ont ça, ils ont ça, maman, ils ont ça, ils ont ça, okay. Moi, je suis en danger. Je suis en cause de choc. Je suis en mouvement. Je suis en choc. Moi, j'ai déjà Azara protégé. J'ai déjà une grande protection. Okay. Et puis, dans le cas de l'ibumu, j'ai un liquide amniotique. Et on a un amortisseur contre le coup. Le mouvement au papa pour que ça aille. Moi, non, j'ai des problèmes de maman, mais j'ai des bandits, malgré que je n'ai pas de ma casse, j'ai des membres de la vie, mais je n'ai pas de papa, j'ai des articles au texte. De ah, maman, c'est compliqué. À la fin, ils ont autorisé, bien certifié, pour aider maman déjà préparer déjà un accouchement, tu m'en as bien. Dans 9e mois, tu as dit que tu as deuxième trimestre déjà, docteur Bailly. Oui. Qu'est-ce que la femme doit. Va attendre à partir du 4e mois, 6e mois. Oui, à partir du 2e mois, il y a 2e trimestre, déjà, la femme est obligée à faire l'échographie. Okay. Donc, chaque trimestre, au moins chaque trimestre, la femme doit faire l'échographie. L'échographie, on a écouté l'acceptation. Premier trimestre, au sala, la deuxième trimestre, au sala, puis la troisième, pas au sala. Et l'acceptation et l'acceptation état. Il y a évolution, est-ce que moi, j'ai bien, moi, est-ce que ça va, est-ce que le liquide amniotique est correct, est-ce que corps est normal. Donc, à partir de l'échographie, il y a une exception de l'eau qu'on a. Mais c'est parmi aussi les deuxième trimestre qu'on a, on trouve certaines pathologies où il est compliqué. Bah, maman Mingi, ou tu bien Mingi, préclampsie, il y a juste élévation et tension artérielle. Élévation et tension artérielle et pas maman. Donc, une fois que la tension artérielle est élevée, il crée directement aussi problème chez les fœtus. Okay. C'est parmi ces temps, c'est parmi le deuxième trimestre, on a une pathologie vraiment tout surveiller. Il y a un mot qui dit il faut respecter le rendez-vous pendant qu'elle est enceinte. Pendant qu'elle est enceinte, une fois que le médecin a remarqué déjà avant, on peut déjà trouver des solutions, on peut déjà savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier le problème. Donc, c'est vraiment ça. Or, dans le deuxième trimestre, on fait que surveiller. Parce que
que presque nous avons déjà eu ça dans le premier trimestre. Nous avons déjà accompli, on peut voir les sexes de l'enfant dans le troisième mois. Moi, c'est avoir moi, oui. Oui, on peut avoir déjà les rapports de sexe en moi dans l'échographie, c'est déjà possible. Dans le troisième mois aussi, c'est avoir moi, il y a des fréquences cardiaques dans le monde, mais moi, ils ont ça déjà. Je ne sais pas trop, docteur, mais pendant que ça déjà envie, okay. Moi, surtout, sur moi, la comédie a bougé. Et comme à tout moment, sur la salle, mouvement, et où on a été docteur, non, votre Bible, les alaké. Une fois, Marie a coûté un akana. Elisabeth, moi, la nina, là, oui, c'est ça. Donc, c'est un moment que vous avez, ils ont directement, moi, à ressenti. C'est maman, ça, la mawa. Tant bien c'est qu'il n'a plus que entre maman et moi, bas là vraiment en contact. De ce moment là, c'est maman qui s'est perdu, maman c'est même le futur aussi à ressentir quelque chose. Parce que mieux ce moment là, vous connaissez, vous partagez, vous connaissez pas n'ayez pas mouvement ça et en partageant vous directement à moi, il y en a quatre salibou. Voilà, enceinte, partager la joie. Bah vous rappelez autour à bas ça c'est mais bon et d'arabango bas en bas était mon coeur bien parce que à ce partager encore hier mon thématique. Non, moi, le docteur Ndonga, la deuxième trimestre, moi, ça remet vers la deuxième. Pardon, parlons de l'échographie, parce que la lingue est trop tôt qu'on a la, vraiment purement médicale. Pour n'aider bon que photo, répondre population, à l'engagement corps. Oh, elle est touchée partout. Oui, la lingue pour émission, pour Moutoutou, à s'y retrouver. Et moi, le lot, où on a bas hôpitaux, tout ça, on a manque à sensibilisation. Vraiment, je vous encourage hein, avec ce genre d'initiative pour permettre aussi aux gens de connaître un peu sur leur santé. Parce qu'il y a plusieurs questions faites beaucoup de choses. On a beaucoup de cas à l'hôpital à cause de ça, manque d'informations. Vous qui suivez cette émission, sérieusement, il faut que dans le premier trimestre, dans le deuxième trimestre, même dans le troisième, il faut que l'année là, échographie n'a pas vraiment bien, surtout pour l'échographie. Ok. Ou même de quoi lobby, au-delà du sexe, au-delà du liquide amniotique, échographie, et puis ça a des informations, et belé, même ou toujours Oyo, au coquille Kobota. Vous voyez, échographie est détecteur, mais anomalie, ce que moi, Nazan, en déjà, et de l'échographie sur l'Italie, Monique, moi, na Oyo, l'homme sur le Rosalité, Moutou Rosalité, maman, le mini, tout le monde, bientôt, on garde. Non, surtout, c'est là, même position. Ouais. Échographie et ça. Moi, c'est mon souci. À cette échographie, à combien quand le troisième trimestre, donc à combien dans le huitième, neuvième mois, à quel moment tu as besoin à moi, là, à ce que la position m'a la moutée, la position m'a bien. Manque il y a échographie. Et non, surtout, on a vraiment, il faut qu'on ait la CPN, donc consultation prénatale, ma la mou, et puis la carte, il y a hôpital. Donc, on a vu que c'est le deuxième trimestre, et ça, c'est le trimestre, moi, quand on a ma camouille est belée. D'abord, d'une manière normale, moi aussi, à mon calibre, mon aïe, comme je suis Kovimba, Koya, moi, mon aîné, et puis moi, poids, et comme je suis sous Komata. Et dans le deuxième trimestre, ma facteur hormonal est comme ma belée. Et au moment où moi, c'est ce cas dans la bonne état, dans la bonne entourée, et comme ma nervosité encore accrue. Et on essaie de ça, moi aussi, ça a vraiment bien suivi. Voilà, du côté mon corps normalement. Mais du côté Oyamabe, même dans le deuxième trimestre, il y a une pathologie qui est bien de Kualobi. Surtout, l'une des causes de l'Oyobasi, qui souffre, c'est la préclampsie, qui est la préclampsie. Non, surtout, il y a une préclampsie qui est développée, qui est la préclampsie. Et ils allaient développer une éclampsie. C'est quoi d'abord l'éclampsie? Donc la préclampsie, ils allaient que... Vraiment, la préclampsie, tu as dit que... Sauf que moi, ça a dit, mais tension nerveuse à la normale. Ah oui. Mais on a ce qu'on a dit, mais on a dit, on a dit, on a expliqué, on a dit, on a dit, que tension à maman est mati. Tension à maman est mati. Et au-delà, tension est mati, ma colonne est... Normalement, ma colonne est vie, ma mais ma colonne est pesée. Ouais, il y a des édèmes physiologiques. Quand vous m'avez bien pesé la ranao. Mais quand vous m'avez oh, on a ce que la ranao, moi il y a ma B. Et puis le deuxième, le troisième de choses, ceux qui basent les examens urinaires, hein, bah mon akato il y a le comment tu bien la protéinerie. Protéinerie, tout le monde a un maquila, plutôt na masuba. Maman, tout qui te suit, tout ça, les total là, ceux qui basent rien, ils ont fonctionné normalement. Et puis, on a ce que tout le monde a dosé, ils ont rayakomata, dosé à protéinerie aromata. Mais, nous avons surtout pour confirmer que moi aussi, j'ai une préclampsie, ce qui, nous avons surtout dans la 20e semaine d'aménorrhée. À partir de la 20e semaine, ce que nous avons dit, tout, on a des adages. Nous avons surtout pourquoi? Parce que deuxième trimestre, ils ont
moment moko oyo moi s'il faut à l'année la zimne normalement et puis ceux qui deuxième trimestre on décide au moment un peu moi na rosa na chance ya ko ko la paix ma malam. Wow. Ah, je crois que j'ai vraiment dit clairement bande koba yo Canada. En fait, il y a à boire et à manger autour il y a ce jeu de la conception à l'accouchement, il y a à boire et à manger parce que va des même nanda ko tout sous dans la brosse ça Dieu fait malgré bortala. Bon, ça toujours ma question sous. Je crois que la première fois mais ils ont la soukaté. Ma question est que zone toi ba bon sous pour que ba répondre monsieur Ango et puis ils ont la enchaînement ba docteur sous na plateau. Chez le médecin. Donc prenez place. Aussi pour moi le recommande noté hein, que bonne santé peut-être aux 20 mm aux 11 mm aux anaïdes ou bon bilien ou bien. Voilà, tout le monde a deuxième trimestre parce que j'ai mis tout beau, c'est divisé en trois trimestres. Premier mois, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, et puis septième, tout qui est en neuvième mois. Ils ont divisé en trois trimestres. Tout est en troisième trimestre. Moi, ça comme dans la soukale, bien aïe, pour comment on a qu'on l'aime, pas kanda, sauf comme sous moi, pas kanda, sauf ma docteur, pas imba. Oui. Tous les années, dans le troisième trimestre. Dans le troisième trimestre, il y a une chose qu'on a essayé de mettre sans tout le bilan qui est en moté. En parlant de la grossesse, on doit expliquer la grossesse parce que ils ont surtout dans la médecine tout le bilan par rapport à la semaine. Dire le barat 3 mois, 10 mois, nous tout le bilan. Oui, c'est vraiment par rapport à la semaine. Mm-hmm. Donc il faut savoir que de la première semaine jusqu'à la 28e semaine. Mm-hmm. Donc pour une habitude, pour moi, on a tout dit que moi, notre groupe, c'est moi les bandes parce qu'il y a une période entre les 0 à 28, tout le monde qui moi, on a un viable été. Donc cela veut dire moi, on a les bandes pour vivre été. Mais là, qu'il y a en France, tout ça en Europe, moi, on a parti à 22e semaine à couvrir, à couvrir les bandes avant d'aller couvrir, à couvrir vivre. Mais bien souvent, moi, on a couvert, on a couvert tout le bilan ouvert à partir à 28e semaine. À partir de la 28e semaine, 28e semaine, c'est la date ou bien l'âge de la viabilité. Donc, ça veut dire que moi, les bandes, les maman à Koki, pour vivre. Donc, à partir de la viabilité, on a 37e semaine. Ce qui, moi, à Boutami, avant 37e semaine, tout bien en gros, prématurité. Donc, moi, on a prématuré. Donc, on a une fois à la 4e couvée. Mais à partir de la 37e semaine d'aménorée, tu as 42e semaine d'aménorée, on a moins de normal, moins de terme. Donc, moi, il y a la 37e semaine d'aménorée, il n'y a pas de problème. Mais si tu as avant la 37e semaine, il faut te protéger. Moi, la couvée, tu as gardé. C'était la chose qu'on devait aussi expliquer pour nous. Mais ma maman, au-delà de la 42e semaine, il y a d'habitude un post-terme. Donc, ce n'est plus à terme. Parce que la grossesse à terme, c'est entre 37 et 42 semaines. Okay. Mais au-delà déjà être à 42, ils ont post-thème. Il faut un bang ou un hôpital ou expliquer pour voir l'année là. Parce que moi, on suppose déjà que contact ils ont entre maman et moi, ils ont la placenta. Ou bien ils ont la coco. Ok. Coco, au-delà de la 42e semaine, coco, comment est-ce qu'on a? Ah parce bon? Que rôle à coco, ils ont barrière et puis ça car ils ont l'échange entre maman et aider pour l'échange, ils ont aider pour la respiration à moi na même. Tu bien en moi, tu bien en poumon à moi na. Dans quatre salles, tu bien en placenta, y a moi na coco wana. Maintenant une fois que coco wana est nourri pour un âge naï, âge n'est à 42 semaines. Ce 42 semaines est coqui. Bobo bimisa, Bobo bimisa, moi na moi na bimata, comme on nous na. Tant que moi on nous a directement échange entre yé na moi na maman na moi na, ils allaient sous bien t. Le fier me dit qu'il change sous bois, il a bien été moi dans quoi directement en souffrance et ça peut entraîner la mort intérieure. Donc la mort moi c'est dans quoi couffa directement quand c'est le moment parce que en lien sous bien été en vivre sous bien été entre ligne échange entre une maman ils est sous bien été. Donc c'est ce que je devais ajouter, ce qu'on avait essayé de mettre un peu. Et pour la troisième semaine, la troisième période, il y a troisième trimestre d'accouchement, souvent il y a une période où ma malade il y a qui bêlé. On a plusieurs pathologies dans le troisième trimestre. On a les DT, tout le temps à DPPNI, tout le temps à placenta prévia, tout le temps à hémorragie des bains qui sont. Il y a plusieurs pathologies. Dans RPM, nous sommes parmi le troisième trimestre. Dans le trimestre, en cas de saignement, il faut directement comment on a mis qu'il y a un hôpital. Okay. En cas de saignement, souvent dans le troisième trimestre, on a mal qui est bien mouqué. Il y a quand mal et bien mis bouillé. Il y a quand parce que tout là, nous les médecins, ça nous dit quelque chose. Donc, ils doivent flasher déjà. Ils doivent flasher quelque chose. Donc, on peut supposer que non, autant déjà mal déjà bien mis. Donc, on suppose que moi, on a dégagé un gars calaté. Donc, tout ça, tant que moi, il est bien mis, il faut y a mal un hôpital. Et nous, on va te dire que ah non, état où yo rozon anda pour nous, état où yo rozon est sous douté. Il faut te garder au. Il faut te talanner peut-être un bout dans quelques jours, peut-être un bout dans quelques heures. Et tout ça, ça m'en a. Troisième période, il y a aussi une période où tu me conscientiser, maman, préparer maman moralement, expliquer que
Donc c'est un peu ça, donc on prépare maman moralement parce qu'en troisième trimestre, il y a des gens qui maman ou il y a une césarienne, maman ou il y a une voix basse, ni on sera parti au troisième trimestre et il y a déjà. Donc il y a des gens qui ont calculé le bassin, ils ont dit que maman, non, c'est normal. Tu es déjà mouné dans moi, tu as les positions à moi, ni on sera normal. On se pose déjà que moi, je suis une voix basse. On explique déjà la maman, oui, c'est la boue, 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 c'est la boue. Tout ça, on est fait déjà la troisième semaine. Donc il y a une période où tu prépares maman pour recevoir, produit à conception, on a gardé depuis début à la grossesse jusqu'à ce qu'il est commis à terme. Tout garder comme le papa non soulevé pour mourir bien, hôtel a déjà bassin, tout évolution à moins. Mais ils ont l'élément ni penja, ou dans hôtel Bobby qui cause la césarienne. Élément, il y a césarienne. Clé penja, hôtel Bobby cause la césarienne. C'est d'abord la position du fœtus. Ok. La position. Et c'est parmi pendant tant on a la troisième période, moins des fois à roter. On n'a pas dit retard. Il faut la balle. Et ça, la mana moi. À partir de la troisième période, tu vois, on a déjà. Donc, moi, déjà. Moi, déjà. Bah, okay. Moi, la fois, j'ai changé déjà de position. À la position, il y a Rwanda. Après, si on a eu un coup, on a 7 ou 8. Moi, il faut la balle. À bête, il y a 8. Okay. 8, il y a un tour. Et comme on a 5, ma couleur, comme l'icolo. Mais il y a certaines. Wow. Ouais, là, c'est voilà, Nzambe. Donc, on ne peut pas parler trop en vie, on a tout le temps. Oui, au-delà de ça aussi, la position du fœtus. Position, moi, dans le cœur de la position, moi, je me suis toujours en train de vous mettre en position la, horizontale. Impossible. Au niveau, il y a OK. Na impossible moi na abima na voix ici. C'est impossible. Il y a certains aussi na rétrécissement bas il y a bassin. En fait en tout ça la TV tout ça la toucher vaginal tu vas d'ailleurs au calculer déjà ba promoteur tu vas au calculer tu vas que non oh yo na pour une position oh na voix basse moi na quitaté oh na nini donc on est à côté à maman évidemment ça puis oui. Voilà il pas maman. Il y a des il y a calculer tout ça la bien à calculer de magné de tout ça la calculer ouais partir on est tout quoi au calculer ba promoteur maman tu vas que non maman oh yo na voix basse au bout mais il y a certaines personnes sur déjà ouais à partir il y a toucher il y a TV on a touché vaginal on peut directement détecter non au moins si au akoko botanini akoko tania césarienne ou na voix basse moi akoko kitate et à part ça aussi par rapport à taille il y a taille pardon bas c'est souvent bas ça me coussé d'habitude ils ala souvent les bas ces ala toujours rétréci ming ba outa na bas césarienne taille okay. Plus orienté oui okay. Mais ils a à 100% mais ils a probabilité moi qu'ils ala ming bas ça me coussé tant pas bas ça me coussé pig même ming bas ça me coussé ming ils ala pété bas ça bon ils ala ming ba rétréci. Wow. Bon, c'est cool. Donc, nous avons une autre question. Déjà, aux alabos, on s'est constaté, on s'est dit, mais il y a un mobile, il y a un aligné, tout ça, on s'est touché. Ben, ils ont quand même eu comme ça. Attends, non, à tombeau que les opens. Moi, je connais ça en Gaba. Ok. Je consultais un centre de santé. Et excusez-moi de citer le lieu, mais j'ai connu ça là-bas. Et, les alliés qui m'ont saillé, mon bal n'est pas allé. Ce sont de fréquentes histoires qu'on rencontre sur le terrain, au Tsikaye. Et puis, il faut toucher. D'abord, moi, ça m'a déjà qu'aux alliés un peu réservé. Mais il fallait faire le toucher vaginal. Et surtout, ça, le toucher vaginal pour toujours avoir des informations précises. Même mon bal a boué avec Kobima. A boué Kobima la boxe. Moi, il y a un bimézate, il faut assister. Nabi, bon. Il y a assisté à l'infirmière. Il y a infirmière qui est au Cana. Excusez-moi pour ce terme. C'est pas vrai. C'est ça, ce sont des fréquentes histoires. Il y a des lieux. Il y a des lieux. Il y a vraiment... Incompréhension. Incompréhension totale. Et puis, moi j'avais envie de sauver, mais le monsieur avait ses idées. Pour respecter le couple, il fallait assister. Et assister, et puis il y a touché vaginal bien. Wow. Et ah ben notez est-ce que l'on a moins signé ceux qui ah sentiment ah ben non c'était pas les cas de signes qui pour notre hôtel zara nzira mais parce que médecin faut ça là
foyer bien au consala. Et ça rend zéro à Nakaka. Pour ça, si nous sommes sous, on va bien à Kara. Pour que ça pudeur, j'aimerais un peu réserver le terme. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a une stabilité chez moi. On a bien un clitoris en médecine. Si on a un clitoris, on a un clitoris directement. Mais je ne sais pas si on a un clitoris. Donc, si on a un clitoris, on a un clitoris. Si on a un clitoris, on a un clitoris. Et là, heureusement, la chérie. Je devais aussi ajouter à ce que mon confrère vient de dire. C'est vraiment ça, dans le terrain comme il a habité. Et il faut que ma maman et ma papa ne soient pas touchés. Ils ont touché des informations. Il faut que ça touche directement. Touché wana il la qui s'en a colle. Est-ce que colle y a moi ces affaires? Ils a fermé donc normalement pas moi ça c'est mes fils à la ferme ils a pas fermé. Quand on coûte ça le bout ça pina normalement la position est colle. Non il va position nini distance non on a moulaï à colle les années nini. Non là d'ailleurs c'est non là quand on coûte ça nous s'appuie wana. Et oui comme docteur donc nous les médecins on sait où toucher la femme pour avoir des plaisirs. Où toucher la femme donc tout ça touché wana tu qui touché tout ça na idée ma bête donc à où gang à tes. Oui ah mais son docteur son mou Je ne sais pas si je suis un peu plus jeune. Makanisiwa n'est pas ma papa. Surtout les hommes. Mais quand on demande Makanisiwa na, ce qu'on m'a dit mon racine est touchée vaginale, et c'est important. Soit au lobby ingana zalawana, mais qu'on peut qui s'est assis la peau à recueillir des informations. Voilà, il y a deux informations. Oh bah minga ngabazwaka, pendant bah ça la touchée wana, c'est important. Même quand vous êtes mika atéro, ça peut être malade une chose dans mon bouquet ou. Bah examen soit ça la voix, ça le touchée, bah zuba c'est mince, n'est-ce pas ça les examens. Ça n'ont qu'à pour nous limiter. Là c'est vraiment. Mais c'est qu'il faut, avec son simbi, il faut venir. Papa père a tombé, qui sera humilé, il n'a pas voulu ça dans le lien. Voilà, on va revenir. Ils vont revenir sur ce plateau. Pour ça, c'est que les médecines sont vastes. Tout le monde est en haut parce que donner la vie, c'est quelque chose. C'est compliqué. Beaucoup de femmes, la période est compliquée. Bon, peut-être qu'on a sous-informé, mais l'information est belle. Même qu'il y a tout des cortiques qui ont sauté. L'information est belle, belle de. Conception tu que nous robotons. Nous sommes hôpital peut-être peut ça m'a appelé comme il faut. Il faut trouver peut-être un médecin peut habiller hors l'un de l'autre tina souka. Et ça une dernière question c'est quelque chose très et comme tellement mingi. Moi ce soir beau il faut beaucoup car toujours ça ou la césarienne. C'est quoi? C'est quoi la cause? Horrible la beauté qui n'est bien césarienne. Pour donc c'est comme ça là. J'avais perdu une sœur l'année passée à beauté même la beauté la césarienne ma salle hémorragie. Okay. Et pas beaucoup. Ok, maintenant la question c'était de savoir. Ouais, pourquoi cause de la commémoration de la étant corps médical, je crois que cette émission va aussi sauver beaucoup de gens. Si. C'est vrai, dans la société, dans l'environnement de nos jours, il y a beaucoup de cas de césarienne. Il y a certains médecins, surtout des chirurgiens, obstétriciens, qui ont fait la césarienne avec mauvaise volonté. Comme cop, bah liam bongo parce que moi ce soir beauty surtout gratuité ma maternité hier. Mais je félicite le président de la République pour cet acte. Ça se voit que le président, le président a besoin de sauver aussi son peuple. Vraiment président de la République, Félix Tshisekedi Antoine Fatih Biton, merci pour l'initiative. Oh, on a bien un DG. Okay. Donc, premier G, ils ont gratuité enseignement. Deuxième G, ils ont gratuité. Donc, et toi, pour ça, 5G. Ok, donc, parlant de ça, beaucoup de chirurgiens obstétriciens, ils ont dit que moi, ça qui est ça, c'est l'opération. Il y a des causes, plutôt, il y a des choses qui favorisent la césarienne. Okay. Là, on a une mission dans la Koloba pour que je puisse comprendre. Césarienne, d'abord, on a une de Koloba, ils sont liés dans la position de moi. Ceux qui sont dans la position, il y a ma B assise ou latérale, comme ça, la césarienne.
Deuxième de choses, ils ont lié na bassin ya maman. Ou bien à cas disproportion fœto pelvienne. Ce qui moi si azali na bassin ya mabe et que ça mouké moi na za munene moi bima izati. Oui, il ouais, bah, y a des promoteurs, des promoteurs supérieurs, hein, moyennes et inférieures. Place moi à s'engager et puis na moi place moi à se dégager. Il y a un engagement et un dégagement on a quatre ou mm. Mais bah, ça est traduit par un indice ou l'indice de Magné. Il faut yo maman, il faut y bosser. Est-ce que l'indice de Magné n'a pas si combien pour yo mais manga ou pina la césarienne. Faut moi aussi. En fait, avant de demander, ça faut vous un peu informer. Oui, il y en a à partir de mission Oyo. Au bout de l'émission Oyo, bah, on a déjà maillé. Et pourtant, si y en a, bah, on a maillé pour que un jour bassin. Ce qui basé ça, ma bé, bah, on est quand même césarien. Troisièmement, il y a des pathologies liées au troisième trimestre. Bah, pathologie en décollobaki, décollement prématuré, le placenta normalement inséré. Des pépini. Tout ça, on va penser ta prévia. Tout ça, on a hémorragie à troisième trimestre. Vous en avez un jour qui déjà maquillé banobima ou bien rupture de poche de zoo. Déjà, poche de zoo, c'est parce que ça va cause au et même à césarienne. Donc, normalement, ceux qui boulot qu'on a, nous sommes tous à tangi moine d'ambouane et zali, bako kendina césarienne. Mais ceux qui s'y coulent, boulot qu'on a zate, nous sommes tous en amour bien, vraiment le médecin au bossala que l'eau qu'on a, botika. Botika, botika, parce que vous allez faire dépenser la famille et puis vous allez que ça là et que ma famille va être causée là n'a pas si après. Mais ce qui peut indication à césarienne y est, yo mettez faut y est ben dengue ni nous que ça là césarienne ouana. Vous appelez un dengue au sel hein? Oui, dengue dans vos allées. Dengue dans vos allées. Il faut pas que ceux qui césarienne allées, ok maman, au sel peut-être une laparotomie, non. Parotomie, c'est ce qui est important pour moi dans césarienne. Au moins, on a aussi que maman a cicatrice à mon nez, n'est bon, c'est pas bien. Ah, ma cicatrice, me souper, Mikéza, me souper. Il y a Mikéza, la raison de prendre une incision, plus au sala, plus au sala qu'à Fanestère. Fanestère. Niveau, il y a bas ventre, on a. C'est le cas de Mouké. Ce n'est pas esthétique pour la maman, à cause de la piscine, mais il y a une cicatrice à mon nez, ça va pas. Donc, c'est mieux, en tout cas, tu as ça, la Fanestère, ou en tout cas, tu as un qui moi na abimi il faut médecin donc faut famille y a patient wana balané la médecin wana aye bakosa la post césarienne malam ce qui moi un exemple moi na abimi bah ça dit césarienne abimi si moi na normalement et le cause est important ils a post terme post terme ça veut dire ce qui moi na abotami c'est que bah sauver moi na bah sauver et tout et comme ça il faut na simanango obstétricien mais chirurgien aille ba ko minimiser ba hémorragie oyo il y a qu'après avoir moi nako kobima poste partout okay. Ouais. Donc on peut taper ces arrêts hémorragie oui le poste pour déjà maquila moi déjà j'ai mes ala bon moi c'est déjà à perdre maquila 500 ml. OK on dit ma pèse moi c'est à perdre dans grossesse normal sauf que na césarienne et matalico il y a mon souvent ça césarienne ça la rappelle transfusion directement ouais pour na ba récompenser maquilleuse ceux qui a été sidi il faut poste partout mais moi na ya maman wana ezala normal il faut bo minimiser hémorragie il faut ba ba couper ça ba cytocyte na 10 unités na normalement il faut ba ba faire la révision utérine malam ba débris wana tika la na kat de peur que infection mon salim donc ezaba protocole oyo médecin il faut ayeba pour que tous asus na ka ya il y a un maître que j'ai salué, le docteur Bangame. Il nous a dit que une femme enceinte ne peut pas mourir si elle veut donner la vie. Ah, ouais. Trop mal. Une femme enceinte ne peut pas mourir pendant qu'elle veut donner la vie. Donc moi si à quoi coucou faté pour Alinga Bota. Alinga pèse à bon moi. Donc le koana n'a pas comme martyr, chirurgien, médecin oyo. Du colo à Nzala, du colo à Kop, du colo à Makambouya, posa na bango moko, bazota ba indication ya césarienne. Lelope awa, il faut aussi remettre IGF à santé. OK. Hein? Inspection générale vraiment est suivi à santé surtout pour que ba lande la centre miki oyo bazo perdre ba vie. Bande ko bazo ko febele vraiment. Voilà, bande ko bazo ko febele surtout ba liwa on peut ya ba centre na biso to za na encore en quartier. Tika ma lumière mo boy, césarienne le kiwana. Docteur Bayimba. Oui. Femme ou a subi césarienne, elle peut attendre combien d'années?
pour nous sauver. Oui, c'est ça. Parce que belle peut mitouna ba question tika la mutu. Oui, moi si que soisemi, d'abord vous devez savoir que pendant césarienne, ils ont place tout simba qu'on a tout zokisa. Parce qu'au niveau utérus peut être au cas t'as tout zokisa. Et on doit avoir le temps où il faut cicatrisation et ça la ma normale. Et pendant ce qui cicatrisation et ça la mi bien t. Donc on suppose déjà que supposons ils ont le coup y a paiement. Il y a des gens qui ont peut-être des zoukaki déjà. Tu bambi en moi peut-être dans la soupe et la colle. Si tu as dit que tu probabilité est plus élevée et passera les mêmes places où tu colles qui déjà tu bambi qui wana. Probabilité est plus élevée, place dans laquelle il y a une fragilité. Donc, si tu as dit que tu as des ordres de kuna et passera, c'est la même chose chez la femme. Donc, si moi si tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as déjà. Donc, il faut que tu as la cicatrisation. Que la situation est vendue maintenant normale, c'est par là qu'on peut accepter ou concevoir. Parce que conception, oui, ou concevoir. Mais au fur et à mesure que H. Agostin, les autres matins, au fur et à mesure, ils ont fait un bapé. Donc, ils ont un volume. Au fur et à mesure, ils ont un volume. Donc, le risque le plus élevé, c'est la rupture utérine chez la femme ou à Sibissa déjà césarienne. C'est pour cela que les amis, ceux qui m'ont déjà bouton la césarienne, une fois, j'ai salué encore mon maître Bangambe, c'est que mon maître dont mon frère vient de mentionner ici. Donc, il a dit une fois, césarienne pour toute la vie. Ok, comment? Césarienne, une fois, c'est pour... Donc cela veut dire quoi? Donc cela veut dire que moi, je suis déjà dans la césarienne. Donc probabilité, ça, qui est que qui c'est la voix basse. Ok. Donc ce qui est, c'est seulement si cicatrisation, c'est déjà bien. La chose que nous devons faire est que tout bon, c'est déjà bloc opératoire. Moi aussi, Azawana Likolo Yambeto. Et pendant que tu as mis à forcer, pour ça, en cas seulement que Pempe, le mot est même à B, rupture, salami, malamment on a bloqué. Mais il y a certains médecins qui ont mis à risquer dans le monde. Ils ont risqué dans le monde. Non, au lieu de risquer, oui, malam, tout est malamment, tout est nouveau, tout est nouveau, tout. Mais vous devez savoir, il y a une chose qui est très importante. On a dit que vous avez 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 dit que. Une femme ne peut jamais mourir en voulant la donner la vie. Donc, ça n'a pas que ce qui moi c'est qu'il faut accoufater. Donc, il y a une probabilité. Les hommes sont malades. Donc, et coquille au bon maillot. Donc, ce qui moi c'est accoufi, c'est qu'il y a un problème. Donc, vous faites mon ami, soyez très nous, on a bien nous, ceux qui n'ont pas de problème. Et réellement, on doit vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Pour que moi, nous connaissions bien, nous n'aimions pas à perdre vie. Ce que vous devez, vous dites, toute femme, tout le monde connaît son bail, moi, si il faut à Kangana Moutou et Lokoana. Voilà. Mais donc, moi, quand on a bâti ça, c'est que ceux qui m'ont ça, c'est césarienne. Hein, donc, espace ming, espace okay, intergénésique, j'ai même pas parlé de ça. Espace intergénésique, parce que c'est ça la question. Ah oui, j'ai parlé. Espace intergénésique, c'est 6 mois. Ça peut prendre juste 6 mois. Mais moi, je conseille. De là, de ça, année, ça va aussi. Une année et demie. Moi, ça compose. Non, quand on parle de 6 mois, ça veut dire quoi? Quand nous, là, on met. Ah, ok, peut-être qu'on va tenir tout compte, on a ben abino. Quand on dit, on doit peut-être réserver nos termes, on doit réserver nos choses. Parce que, toi, 6 mois, ça veut dire quoi? Tant il y a cicatrisation, on fait ça. Normal. Normalement, c'est 6 mois. Okay. Mais on demande à la femme au-delà des 6 mois. Okay. Donc, intergénésie. Okay. Donc, quand il se passe intergénésie, ça veut dire que grossesse, elle est bosso ou grossesse aux usico. Donc, entre deux grossesses, tant wana, il faut au moins. Donc, 6 mois, il y a cicatrisation normale et puis 2 ans, c'est normal, tu pas 2 ans. Pour te mettre qu'on y était, mais cicatrisation normale, c'est 6 mois. Une année à 2 ans. Deux ans. Jusqu'au 500 autres, là, papa. Non. Mais à garder nos amis, après 2 ans, après à cause de nos amis. Oui. Ils vont revenir sur ce plateau avec d'autres sujets, parce que c'est pas ce sujet que tu m'envoies. Docteur Mokoumera, docteur Ali. Ali, machallah. Faut m'inviter qu'on parle. Cancer de sein, c'est quelque chose, hein, de dame. C'est quelque chose. Jeune, on a vu, non. Et les airs bébés de la poste n'a plus de symbole. Chaque jour à Tchango, il faut chercher une personne parce qu'il sera au cancer de CAT. Ça, il va m'arrêter la ramassatine, vous devez bimba. Bon, nous sommes à la fin, c'est docteur Bayimba Jérémy et docteur Presley Ndongala. C'est ça. J'espère que dans le fond, on va soukater. Ah ouais, il y a un soukater. On a besoin de bango. Tout le monde m'aura pas sa numéro.
Ok. Si vous avez besoin d'être consulté, vous avez besoin de conseils médicaux, vous pouvez d'abord, premièrement, vous abonner. Il y a une page TikTok, on a écrit Dr Jérémy Bahimba. Et à part ça, même sur Facebook, il y a aussi une page Dr Jérémy Bahimba officiel. Même sur YouTube aussi, les mêmes noms Dr Jérémy Bahimba officiel, vous allez aussi trouver. Il y a beaucoup de vidéos qu'on a mis dedans. Il y a vraiment pour des conseils, c'est surtout pour les femmes, pour les vieux, pour les hommes, pour les enfants aussi. Donc le numéro de téléphone, c'est le 081 38 47 073. Et c'est ça vraiment mon identité. Voilà, donc tiens, donc voilà votre numéro. Merci beaucoup, merci. Je suis là pour vous. Si vous aimeriez vraiment prendre de bons soins et être bien traité, n'hésitez pas. Vraiment, surtout, je suis un conseiller médical, un conseiller, surtout pour le couple de gens, de femmes qui n'ont pas d'enfants. Vous avez une stérilité énorme, beaucoup de temps pour vous imiter. Je suis là. Et pour des problèmes féminins, donc liés aux femmes, je suis là, et pour les hommes également aussi. Donc, si vous voulez me contacter, et voici mon contact WhatsApp, plus 243 9 72 79 78. Donc, 09 72 79 78. Mon WhatsApp. Voilà, je crois prochainement, on a flashé d'abord tout le monde sur la stérilité chez l'homme. Ah, okay. Donc, on a qui déjà dit, voilà. On va parler de ça. Mme Bélé, je profite de souhaiter un jour d'anniversaire à ma sœur, à ma grande sœur, à ta corps médical, Jenny Tiyombo. De gros bisous à toi, elle profite bien derrière la caméra. C'était Glody Messa, Siré Son, Lumière, Nyonso, il est impeccable. Je vous remercie, merci. Je vais te dire que c'est un bon dépanné. Bon, 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 il est là. Ok. Vous êtes un bon athée. Moi, Liban, et je commence d'abord par ma mère. Ok. Madame Umba Elisa, et j'étais sali là où elle est. Et j'ai sali toute ma famille, la famille Bahimba. Donc, force à vous, la famille Bahimba, de la vie jusqu'à Jonathan Bahimba. Je vous salue. Et je n'oublierai pas de saluer mon maître. Comme pas de la médecine, on a toujours des maîtres. On a toujours des mentors. Mmh. La médecine sans un maître, c'est compliqué. C'est que nous sommes, les peu là que nous connaissons, c'est parce qu'on était derrière une personne. Mmh. Et je profite de saluer mon maître, les docteurs Mbaka et Pengé Armand, je vous salue et je vous aime beaucoup de tout cœur. Et je salue mes amis, vous tous, tous les gens qui sont en train de nous suivre, je vous salue aussi. Voilà, docteur Ndongala. Merci beaucoup, je salue ma mère, Julie Ndongala. Ah, bien, c'est maman ou papa. Ah. Et là, est-ce que R.E.P., mon père qui venait de mourir au mois d'avril, paix à son âme. Et je salue toute ma famille, la famille Mbongo, et ma grande soeur, mon grand frère, mon petit frère également, je sais. Je salue aussi mon maître, Docteur Armand, parce que c'est lui qui nous a initiés. Et je salue tous mes amis de la médecine, la base Tchango, la base Family. Et puis, je vous salue aussi également. Voilà, on a la petite chérie, on a beauté. Hé, tu es piscité. Moi, je ne suis pas en couple. Et là, okay. Voilà. Non, nous sommes à la paix derrière la caméra, comme j'avais dit, pour ça qui a assisté la Mister Do, Monsieur Georges, et puis tout Mancia, tu as assisté Bissoua. Donc, on a besoin de souk. À la prochaine numéro, on a Bissoua, tu as la stérilité chez l'homme. Hein, beaucoup on va essayer de développer le sujet, de chercher. Il y aura des surprises. Ok, je suis très 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 impatiente. Donc, on se retrouve très très prochainement sur la même chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Les docteurs sont là pour des conseils, orientation à santé et ça la peine bien. Bye bye.